Je tiens d'abord à rétablir la vérité. Le module sur le ministère, c'est le meilleur des modules. Wow. Tu vas sortir de ce cours, tu vas dire waouh, je suis trop rempli pour pouvoir échouer. J'ai trop de capacités, je ne sais même pas par quoi commencer. Moi-même, je suis le témoignage vivant parce qu'à l'époque, je me souviens, j'étais dans une autre église avant de venir à ICC il y a plus de 10 ans. Et en fait, je me cherchais, je cherchais mon appel, mais j'étais zélée pour le Seigneur. Je faisais plein de choses dans l'église, mais concrètement, je ne savais pas quel était le couloir de ma destinée. Et il y avait un prophète qui était venu à l'église, il m'avait tordu le cou comme ça. Reçois, Dina, reçois. Et il m'a dit, tu es appelée à chanter. Répétition sans jamais chanter. Si, si, une fois j'ai chanté à un mariage, je me rappelle, j'ai chanté à un mariage, on m'a mis derrière quelqu'un et puis j'ai chanté. Parce que c'était le mariage d'une chambre, donc tout le monde chantait ce jour-là, donc franchement, on était obligé de me faire chanter. Mais en fait, je ne comprenais pas et j'étais dans la confusion, j'avais l'impression de perdre du temps, de tourner en rond. Jusqu'au jour où, à travers cet enseignement justement qu'on dispose dans le module du ministère, le Saint-Esprit m'a parlé. Il m'a dit, la première personne à qui je vais révéler ton appel, ce n'est pas un prophète, mais c'est toi-même. Oh, dis-moi, amen. La première personne à qui le Saint-Esprit veut parler de son appel, c'est toi-même. Et on va voir ensemble durant ce module comment prier, comment persévérer dans la prière comme Jésus a persévéré à Gethsémané pour remporter le combat de sa destinée. Oh, dis-moi un bon amen. Sur la terre, tu n'es pas venu pour rester. Tu es en voyage, tu es en mission, tu es de passage. Mais tu es de passage avec une